Bien-aimés, bonjour, je suis votre frère Eloge Kissim, évangéliste, écrivain, conférencier. Je voudrais profiter de cette vidéo pour vous inviter au grand festival de la prière qui aura lieu le 25, le 26, le 27 et le 28 mars à Paris. Cette grande conférence intitulée le festival de la prière sera un moment durant lequel moi et certaines personnes qui seront aussi présentes avec moi conduiront le peuple dans une prière intense de déblocage, de libération, de guérison et de délivrance. Voici des années que certaines personnes traînent des difficultés avec elles, des difficultés avec lesquelles elles ont tenté tant bien que mal de se débarrasser. Mais vous savez, à mesure que certains sont en train de lutter pour se débarrasser de leurs ennuis, ils ont l'impression d'être en train de s'enliser dans du sable mouvant. Certains ont même l'impression de s'être retrouvés dans un labyrinthe d'où chaque pas qu'ils font pour avancer les ramène au point de départ. Pour ce genre de problème récurrent, dont les solutions semblent introuvables, il faut des prières puissantes, des prières fortes, des prières violentes. Vous savez, la Bible nous dit que Paul et Silas ont été emprisonnés et ils ont prié pour que Dieu brise les chaînes. Mais l'une des choses que les gens ne savent pas, c'est que toutes les prières ne brisent pas les chaînes. La Bible continue en disant que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu et priaient. Ce qui veut dire que la prière était si violente que même d'autres prisonniers entendaient. Tout à coup, il se fit à entendre un bruit, les chaînes se sont brisées, les murs, les barrières, les barreaux de la prison se sont écroulés. La libération ne survient que lorsque nous faisons des prières violentes, puissantes et fortes. Parce que dans le domaine spirituel, il y a plusieurs types de prières. On peut parler de prières prophétiques, prières de guérison, prières de proclamation, prières de repentance, prières pour commander le jour. Toutes sortes de prières. Voici pourquoi la Bible dit « Faites par l'Esprit toutes sortes de prières ». Pourtant, les gens ne savent pas réellement quelle prière utiliser pour leur situation. Ainsi, quand ils ont un problème, une situation, ils prennent n'importe quelle stratégie de prière et parfois, ça ne fonctionne pas. Tout comme quelqu'un qui est malade et qui prend n'importe quel médicament en espérant guérir. Cependant, si cet individu en question prend le médicament adapté conçu pour cette maladie, la guérison s'ensuivra. C'est ainsi que durant ce grand festival de la prière, j'aimerais tout mettre en œuvre pour que les gens prient tel qu'ils n'ont jamais prié pendant 4 jours. Ça sera 4 jours de feu, 4 jours de déblocage, 4 jours de libération, 4 jours pour libérer votre mariage, 4 jours pour récupérer votre vraie vie, 4 jours pour forcer le passage, 4 jours pour dégager l'homme fort, 4 jours pour renverser les autels, briser les alliances et foutre les œuvres de l'ennemi en l'air. 4 jours pour posséder votre miracle. Je vous invite donc à ce grand festival de la prière intitulé, à cette grande conférence, je vous l'ai dit, intitulé le festival de la prière. À venir saisir votre bénédiction. 2020 est une année prometteuse, comme les gens le disent. Mais une bonne année doit commencer par la possession de ces mois, de ces temps et circonstances et de toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour vous. Cependant, si vous manquez de posséder vos bénédictions de l'année, vous pouvez continuer l'année alors que quelqu'un vous a volé et espérer de bonnes choses sans les voir. Venez au festival de la prière, le 25, le 26, le 27 et le 28 mars à Paris, au Blanc-Mesnil.
Ça sera un moment de libération, un moment où chacun recevra ce qu'il est venu chercher par la grâce de Dieu. L'adresse du lieu, c'est le 5 rue Galilée 93 150 Le Blanc-Ménil. 5 rue Galilée 93 150 Le Blanc-Ménil à l'espace Galilée. Venez profiter de cet instant en venant au 5 rue Galilée 93 150 Le Blanc-Ménil pour vous libérer de vos ennuis. Vous savez ce qui se passe quand Héroge et Kissi se déplace par la grâce de Dieu. Il y a des délivrances, des déblocages, des restaurations, des transformations et des grands témoignages. Je bénis Dieu pour cette grâce qu'il m'a accordée d'être quelqu'un qui prie pour ses enfants. Mais qui sait ce que vous allez manquer si vous ne venez pas? Alors, pour plus d'informations, vous pouvez aller au www.océandegrâce.com. www.océandegrâce.com et cliquez sur le drapeau de la France pour soit prendre les contacts et les informations ou pour vous inscrire par rapport à ceux qui veulent me rencontrer personnellement durant cette conférence. Que Dieu vous bénisse et je vous dis bienvenue au Festival de la prière et à très bientôt. C'était votre frère Éloge Ekissi. Merci.